suis un maniaque. Ah ben j'aime bien que mon café soit propre, soit en ordre. Il faut, que ce soit bien quand les gens arrivent. Hein. J'ai 82 ans. Mais ça va. Hein. J'ai travaillé en restauration pendant assez bien d'années. Puis j'ai pris le café. Et maintenant, je suis cafetier. Comme d'habitude. Ah, tu veux les journaux? Ils sont déjà là. Hein. Voilà. Santé, Heidi. Tu bois un verre à la fois. Hein. Il y en a beaucoup qui me disent, toi, on ne t'offre plus de verre parce que tu ne bois pas. Ben non, ça ne sert à rien, hein, puisque je ne bois pas. Une fois, j'ai rentré ici. Et bon, j'ai resté ici. Vraiment, ouais. Il est entré, il est resté ici. Hein? Oui, ah, mais il retournait pour aller coucher quand même. Hein? Mais non, ça va, mais... C'est l'écureuil qui photographie. Ben ça, donc c'est moi qui fais ça. Et je ne peins pas régulièrement parce que j'aime bien, mais j'ai pas le temps. Ben ça, c'était mon autre petit chien. C'est un chihuahua. Elle a malheureusement eu de l'eau au poumon, elle est décédée. Alors, comme j'adorais mon petit chien, et je ne savais que faire de cette glace-là, alors j'ai eu l'idée de dessiner mon chien. J'ai fait ce que j'ai pu parce que le corps, c'est pas ça, mais la tête, c'est tout à fait elle. Seulement, ce qui est embêtant, quand je dois laver mes glaces, il faut que je tourne autour de tous mes dessins parce que les clients ne veulent pas que je les efface. Mais je viens tous les jours, je passe tous les jours. Je lis la Gazette, je bois deux verres, trois. Des fois, bon, quand on m'entraîne. Ouais, hein. Alors, je coupe mon téléphone directement quand je viens ici. Parce que les films, téléphone, t'es encore au théâtre et tout ça. Il me semble que la pièce dure longtemps. Allô, le café du centre. Oui, vous êtes bien avec M. Collard, mais ça n'intéresse pas, madame. Vu que je prenne bon contact et tout ça, je ne vais pas prendre ça maintenant, moi c'est trop tard. Tu veux boire quoi, Myriam? Un chocolat chaud. Un chocolat chaud. Tac-tac, tac-tac, tac-tac. Les chaussées? Je sais déjà ce que je peux leur servir, je n'ai même pas besoin de leur demander. Que ce soit n'importe lequel, je sais ce qu'ils boivent en général. Lui, par exemple, ce monsieur-là aussi, quand il vient, c'est toujours un blanc aussi. Je n'ai même pas besoin de lui demander. Je sais tout ce qu'il boit. Lui, c'est toujours de la bière aussi. Automatiquement, parfois, je sers sans leur demander. Non, je disais qu'Alphonse connaît ses clients comme le fermier connaissait pas sa poche. Mais c'est vrai. Tu rigoles, mais c'est vrai. Maintenant, je voudrais bien souffler un petit peu quand même. J'ai 8 petits-enfants. Et j'ai 3 arrière-petits-enfants, 2 garçons et une petite fille. Ils sont pas contents parce qu'ils me disent toujours, « Papy, quand il faut te voir, on doit venir au café. » Dites-moi, mon père, dites-moi, ma mère. Ça y est, maintenant j'y suis. Hein. Je me sens tous les jours, du matin au soir. Hein. Oui, oui. On s'agit de verre, tout le bazar, ils sont toujours le matin à 8h30. Ils sont déjà hein, à 9h30. Chez nous, la rivière coule limpide et claire. Moi, je la passe en bateau et ma femme sur un pont. Et le curé la saute, et le curé la saute. Et le petit vicaire, toujours par derrière, n'a jamais pu la sauter. C'est ce qui l'embête, c'est ce qui l'embête.